Bienvenue, je m'appelle David et je suis ravi de vous accueillir dans ce superbe endroit pour un cours de bike facile, 14 minutes. Je vous propose de vérifier les réglages de votre vélo. On y va, on s'installe sur la selle. Et pour la hauteur de selle, très simple, mettez la pédale le plus bas possible, posez le talon sur la pédale et vous voyez mon genou est tendu. Ce qui fait que quand vous allez mettre l'avant du pied, le genou sera un tout petit peu plié, beaucoup plus confortable et plus efficace. Allez, on chausse les cale-pieds de chaque côté, serrez les lanières. Pour le guidon, hauteur de selle au minimum, voire un tout petit peu plus haut si vous voulez plus de confort pour votre dos. Je vous propose de démarrer. Musique, on y va. Les mains sur le guidon, on relâche les épaules. Ça sent la fête. Ça sent la petite séance de sport qui va bien. Écoutez-moi cette petite musique. Libérez vos jambes. Bon, sur la première minute, là, vous allez jouer avec votre résistance. Vous l'avez vu, hein? À droite, c'est dur. À gauche, c'est plus facile. Jouez avec votre frein pour trouver un rythme confortable. Moi, je suis bien. Est-ce que vous, vous êtes bien? Trouvez la résistance. Un peu plus vite pour vos jambes. Allez, laissez-vous entraîner par ce petit son. On démarre tranquillement. Vous verrez, je vous réserve quelques petites surprises. Hein. Parfois, on va décoller les fesses, on va accélérer. Mais on va faire ça vraiment facile. Commencez par ouvrir les bras de chaque côté. Et là, c'est votre posture de course. Ok ? Les épaules sont basses. Le guidon est agrippé fort. Le ventre engagé. Et on accélère. Super. Pédalage facile, c'est ici. Cette posture, elle nous permet un peu plus de récupérer. D'accord ? Je vous ai expliqué la course là, on va s'en faire une, on va mettre plus de frein, allongez les bras, just come with me, go. Si vous sentez trop de pression dans les cuisses, baissez le frein, récupérez un peu et vous nous récupérez après. Allez, relâchez. Les premières minutes, elles sont un peu difficiles. Des fois, on sent que le cœur s'emballe, que la respiration est difficile. Mais dans 4 minutes, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Allez, on y va. Moins de freins.